Alors ? C'est bon, je vais pouvoir sortir. Je me suis cassé la jambe. Oula, oula, je pense que je vais pas dormir ici. Attends, je vais essayer de la réveiller. Salut ! Si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Ah, Esteban est parti faire une petite pause. Bon, je vais bien en profiter. Allez, je vais me cacher ici. Et à très bientôt les petits moustiques. A few moments later. Ah, enfin, c'est bon, le nouveau lit de Lily Rose est prêt. Hop, plus qu'un petit détail comme ça. Je suis trop content, elle va découvrir sa nouvelle chambre. Oh punaise, là c'est le bazar par contre ici. T'es pas pique, Lily Rose, vous pouvez venir, la chambre est finie. Oh là là, je pense que Lily Rose a trop hâte. Allez, vous pouvez venir. Esteban, Lily Rose elle est pas encore rentrée de l'école. Je ne sais pas quand elle va revenir, elle tarde un peu là. Ah, ben, salut. Justement, le bleu. Ça va? Ça va, Lily Rose? Ah, je suis trop content. Ah, alors, on peut aller voir ma nouvelle chambre? Bah écoute, oui, là, elle est terminée. Ouais, là, génial là. Allez, on y va. Wouhou. On a fini. C'est bon, vous pouvez rentrer. Regardez-moi cette magnifique chambre. On fera un room tour sur la chaîne Pink Lily et Esteban, tellement c'est beau. Allez, Lily, on avance. Oh là là, voilà, t'es prête? Allez, tu vas être super contente. Oui, je suis prête, allez. 3, 2, 1. Waouh, wow, c'est trop beau. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Simon, il est là. Oh, j'adore le lit. Hé, regarde, t'as vu ta couette? Génial, hein? Oh, oh là, regarde, oh, il y a plein d'étages en dessous. Oh, c'est génial. J'adore, c'est génial. Ouais. Ah ouais, c'est trop bien. Bon, allez, moi je pars parce qu'on a d'autres surprises pour toi, Lily Rose. En bas, on a des petits cadeaux pour toi. Allez, on y va tous. Oh, trop bien, il y a encore des cadeaux. Wouhou. Allez, vite, on y va. Oh, qu'est-ce que je suis pressée. Allez, c'est parti. Ah, oh, je suis trop content, cette chambre lui plaît. J'espère qu'on n'aura plus de problèmes dans cette chambre. Bon, de toute façon, on a toujours des problèmes dans cette famille. Allez, les cadeaux. Je peux enfin sortir de ma cachette. Il pensait ne pas me revoir en changeant de chambre comme ça. Mais ce n'est pas fini. Et là, je leur prépare de sacrées surprises. La sorcière est là pour vous servir. Allez, vite, 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 dépêche-toi, viens. Alors, le cadeau, le petit cadeau. Tu peux l'ouvrir? Oui, oui, tu peux l'ouvrir. Okay. Allez. J'espère que tu vas être contente. Hein. Moi, de toute façon, je suis contente à tous les cadeaux. J'adore les cadeaux. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la vedette de Papa Di. Oui, je la voulais trop. Regardez ce que c'est. J'adore, c'est trop bien. C'est la BD de Studio Bubble Tea. Bon bah tiens. Oh, trop cool, regardez-moi ça, c'est trop beau. Bon, bah, je pourrais la mettre dans la chambre. Ouais. Bon, moi je vais faire une petite pause, j'ai travaillé toute la journée sur la chambre là. J'adore, c'est trop bien. Ouais, trop cool, je suis trop contente. Bon allez, il faut que je trouve une petite cachette. Ah, peut-être par là. Ça me paraît bien. Allez. Ah, mais il y en a déjà du bazar ici. Allez. Cette nuit, elle va avoir une sacrée surprise, car je suis sorcière. Allez, hop. Ah, les fesses, elles ont du mal à rentrer. Ah, c'est bon, je suis sous le lit de Lily Rose. C'est parfait. Comme ça, cette nuit, je vais pouvoir la réveiller, la prendre et la mettre dans ma cachette et l'embarquer pour toujours. Bon, allez, Lily Rose, c'est l'heure d'aller dormir. Quoi? Déjà? Mais je suis en train de lire. Non, allez, tu l'arranges. N'importe quoi. Bon, d'accord, allez, au revoir. Bon, allez, on y va. C'est quoi, Lily Rose, ça? Bah, regarde les tiroirs. C'est rangé, ça. Bon. Attends, comment ça se fait? J'espère que ça va pas recommencer comme avant. C'est bon, toi bah... qui l'as dérangé, ça? Non, c'est pas moi. Bon, allez, bonne nuit, à demain, bisous. Allez. Allez. Et Lily Rose, tu veux que j'éteigne la lumière? Non, c'est bon. Je pense que je vais laisser la lumière allumée parce que. Je te laisse alors. J'ai un petit peu peur avec cette histoire de tiroir ouvert là. C'est bon, je vais pouvoir sortir. Il fait nuit. Ah punaise, ah je suis plus toute jeune, hein. C'est bon, ah j'étais enfermée dans un petit truc là. Ah c'est bon, ma récompense, je vais pouvoir être jeune pour toujours, une fois que j'aurai pris cette petite Lily Rose. Allez viens, oh mais, elle est pas toute légère non plus, ah, j'ai plus de force. J'espère que j'ai réveillé personne. Oh, ça tombe, j'ai réveillé Peppa Pink. Bon, vite, il faut que je retourne dans ma cachette. Je me suis cassé la jambe. Aidez-moi.
Lily Rose, c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Une sorcière? C'est quoi ça? Oui, c'est une sorcière. Oula, oula, je pense que je vais pas dormir ici. Attends, je vais essayer de la réveiller. C'est vraiment bizarre. Aidez-moi. Ah, ma jambe. Non, elle bouge pas, Eh oh, c'est bon, faut me respecter un peu. Toute ma vie, je vais rester seule, avec personne qui m'aime. Bon, il faut que je sorte de cette maison pour aller chercher d'autres enfants. Ça fait bon. Allez, comme ça, ça va être mieux. Ah là là, c'est bon, je vais pouvoir enfin jouer à Roblox. J'ai passé une semaine à monter son lit là. J'en ai marre. Et puis en plus, ça tombe, elle est même pas contente là. Bon allez, c'est pas grave. Moi je vais retrouver mes amis virtuels, ça va être trop bien. Allez, j'espère que je vais gagner. Oh, une voiture, trop bien, je veux ça. I want ça. Esteban, il y a vraiment un truc trop bizarre. Il y a comme une sorcière dans ma chambre, trop bizarre. En plus, elle est trop moche là. Elle est sortie de mon tiroir. Trop bizarre. Ça commence déjà là. J'ai déjà une nouvelle chambre. Dès le premier jour, ça commence. J'en ai marre. Je vais fermer la porte avant qu'elle arrive. Vite. Qu'est-ce que vous avez encore? Quoi, une sorcière? Ah mais bien sûr, allez, c'est le retour de la sorcière. Non, c'est bon, j'ai refait la chambre entièrement. Maintenant c'est fini, il n'y a plus de monstres, de fantômes, d'histoires de je sais pas quoi. Moi je joue à Roblox avec mes amis, mes vrais amis. Parce que vous êtes vraiment méchants. Allez, c'est... Bon, je peux vous aider, voilà. Bon allez là, viens nous aider, c'est pas sérieux. Passe devant. J'en ai marre, bon allez, vas-y. T'en fais pas trop de bruit. D'accord, j'arrive. Oh, cet escalier, il est un peu bizarre. Bon bah, de toute façon, moi aussi, j'ai un peu peur des sorcières. Elles sont un peu méchantes. Elles sont pas gentilles parce qu'elles sont méchantes. Donc, je sais pas si je vais pouvoir vous aider. Bon, en tout cas... Lily Rose, qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu travailles sur l'ordinateur, mais tu dois pas travailler, toi. Allez, va par là, et oh. On y va. Elle est folle, elle. Elle voulait échapper à la sorcière, celle-là. Allez, on ira tous droit, allez. Vas-y, en première. Et d'ailleurs, Peppa Pink, il a tellement eu peur qu'il est parti. Peppa Pink, le nul. Quoi? C'est quoi ça? Au secours. Pourquoi? Peppa Pink. Vas-y, pars. Pourquoi il y a les habits de la sorcière? Mais il y a même son masque. C'est bizarre ça. Ça veut dire que c'était pas une vraie sorcière. C'était quelqu'un qui était déguisé. C'est vraiment étrange ça. C'est quelqu'un de notre famille qui voulait nous faire un piège. Eh oh, t'es là? C'est Clara? C'est notre demi-sœur? Bon bah je pense qu'on n'aura pas la réponse à cette question. Ou peut-être dans un prochain épisode. Donc n'hésite pas à liker, à commenter. Attends, Lyra, ça va? Elle est partie, elle veut pas faire l'intro. Bye.